Ils sont 16, ils ont moins de 18 ans et à deux jours du match de leur saison, ils sont presque prêts. Samy, t'as pas vu tes crampons, non ? La magie de la coupe, ça marche aussi chez les jeunes. Cette génération marque déjà l'histoire de son jeune club, fondé en 82. Dimanche, l'AS Le Mans-Villarès sera pour la première fois de son histoire en 32e de finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans, contre Carquefou. Juste avec les copains, j'ai juste marqué l'histoire du club, franchement, c'est magnifique. Juste impatient, et après la pression, c'est normal, mais faut pas trop en avoir, mais c'est normal qu'il y ait de la pression. Du coup, il faudra juste savoir la gérer et on va le faire, je pense. Carquefou, un adversaire qu'ils connaissent bien, les deux clubs s'affrontent au plus haut niveau régional. Yann, va chercher plus simple. Objectif, pas perdre les ballons. Les Sartois ne partent pas favoris parce que Carquefou les ont battus en championnat, parce que son classement est meilleur. Je pense que c'est une équipe abordable pour nous. Et si on joue sereinement et comme on sait le faire, à mon avis, il n'y aura pas de souci. L'objectif était avant tout de jouer un club pro. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va espérer passer ce week-end. L'autre côté. La Gambardella est venue vraiment un objectif au fil des tours, bien évidemment. On a perdu des points en championnat à cause aussi de la Gambardella, mais je pense que la partie épopée en coupe est très intéressante et les joueurs, ils ont que ça en tête. La Gambardella était jusque-là réservée aux moins de 19 ans. Pour tous ces jeunes, il n'y aura pas d'autre occasion de vivre la même aventure. Bah moi, ce sera sûrement ma dernière année de foot parce qu'après, bah, c'est les études. Donc, enfin, ouais, c'est un peu le match entre guillemets de ma vie, quoi. Enfin, donc ouais, c'est une saveur particulière, c'est clair. Excitation, impatience, pression. Avec des insomnies ou des rêves, il ne reste que deux nuits à passer avant le grand jour.